Chers téléspectateurs, nous saluons encore une fois, nous accueillons son autre édition de Tête à Tête sur Télécréole. Avec vous, comme d'habitude, c'est Charles Lucien qui l'a pour présentation. Et aujourd'hui, nous allons faire un retour dans le domaine, dans le champ culturel. Et ceci, c'est grâce à Heritage Foundation qui a gagné une activité culturelle qui a fait dans la date samedi 29 mai. Et avec un paquet d'artistes, ça a sorti en dehors de Massachusetts, ça qui est là dans Massachusetts. Et c'est dans ce sens-là qu'on a accueilli Mme Mirlande Butler pour Heritage Foundation. Bonsoir. Bonsoir, Charlot, et bonsoir à tout le monde qui a suivi l'émission. Et on a accueilli tout Jean-Claude Martineau, Coralin, que nous avons dit bonsoir. Bonsoir, Charles. Et nous avons tout bon retour dans la communauté, puisque il y a quelques temps que nous avons eu, donc c'est un plaisir, j'ai l'impression, pour un peu le monde aller rencontrer Jean-Claude Martineau dans une activité culturelle. Mais avant de passer dans le domaine ça, Mirlande, souk a expliqué d'abord pour le monde qui pas connaît Heritage Foundation, nous connaissons nous présenter là déjà. Donc une fois, souk a fait un rappel du concept Heritage Foundation non, et dans qui circonstances qu'on a présenté genre de spectacle ça. Alors c'est avec plaisir que m'a fait ça, Charlot, parce que ça fait 4 ans que Heritage Foundation formé et a travaillé dans Boston. Et comme nous toujours dit, il y a un courant parmi les Haïtiens à l'étranger, a donné quelque chose avec en Haïti. Tout le monde voulait bailler un bagage à pays, hein. Que ce soit c'est dans l'éducation, dans la santé, dans le programme de développement, moun yo voulait faire un bagage pour bailler un bagage à pays, hein. Donc pendant que moun yo a fait effort ça, nous-mêmes nous voulait garder qui moun qui a fait effort travail pour Haïti et comment nous-mêmes nous encadrer. Donc Heritage Foundation sont organisation d'encadrement et de support pour organisation qui travaille en Haïti. Et on connaît l'année passée, le mois de février, si me démenti, noté fait un spectacle à caractère culturel. Année ça, je crois que c'est un cadre toujours levé de fonds pour le travail Heritage Foundation. Exactement. Et l'année dernière, nous avons fait pour nous avoir un programme ça. Et année ça encore, nous avons toujours voulu faire une fois par an, côté que nous avons fait appel ensemble avec organisation qui a travaillé dans Boston particulièrement et qui a un programme qui a fait pour Haïti. Donc, aspect culturel, c'est très 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 important de façon que nous sommes capables reach pour nous capables chercher haïtien ou pour nous capables comment dire ça, pour nous capables et collaborer ensemble avec eux, parce que à travers la musique, la culture, la poésie, c'est meilleur moyen que nous capables entrer en relation ensemble avec et haïtien yo. On balle tapis facile peut-être pour ramasser plus comme qui absolument, c'est un très très bon point que vous levez, parce que on balle tout le monde vide l'argent, mais c'est différent parce que pendant que nous avons pensé ensemble avec support et fonds pour Haïti, nous aussi à penser ensemble avec Haïti comme un pays qui a une pile valeur, qui a une pile ressources et des ressources qui ne sont pas utilisées. Pas même dire qu'on ne pas utiliser à une juste mesure, non, presque pas utilisées. Donc, activité ça, c'est occasion importante, idéale pour nous capables de présenter ces valeurs et qui ne sont pas utilisées dans notre pays. Jean-Claude Martineau, vous pouvez participer à un spectacle ça. Vous avez posé Mirlande question pour vous, ça part en balle. Vous avez insisté sur l'affaire culturelle là. Donc, vous êtes bon temps en Haïti, vous ne retournez pas bon ici. Sans pas entrer dans le spectacle là, qui est-ce qu'on a une évaluation générale que vous avez fait de la culture haïtienne ou est-ce qu'il a avancé ou bien évolué en Haïti? Bon, pour moi-même, la périclité d'une façon très, très, très dangereuse. Et. Par exemple, là, ça qui prend le devant, et c'est peut-être ça, moi et mon petit Jean, trouver que question dans son bail qui affecte mon pile, pour qu'il ne soit pas un bal. Et Mirlande répond, mais ajouter à ça, Mirlande dit, est-ce que vous comprenez, la culture, ce n'est pas danse seulement. D'ailleurs, je ne suis pas capable de faire aucun bagage que Mirlande a fait si c'est danse. Parce que c'est deux pieds gauches, je ne vais pas danser. Bon, ou semble pas danser. Non, ça sont des qui semblent, je ne vais pas danser dans la vie. Ok? Donc, moi-même, je pense que la culture haïtienne, soit regardée pour eux. Dans quel sens la évolué, ou une bande de monde qui a une grande réputation de grand écrivain, et puis qui a écrit en français, pour un peuple qui a 80% parlé créole. Et ou même les politiciens qui peuvent faire de grands discours, qui peuvent affecter la vie et peuple haïtien, mais qui peuvent faire en français. C'est comme si là,
système d'apartheid, d'exclusion que nous avons en Haïti, il y a un kembel en gens parce que y a une bande de monde qui ont mis en dehors de toute bagaille. En plus de ça, l'on a regardé la musique haïtienne, qu'on y a tout, y a un pays qui gagne à peu près 70 rythmes différents. Est-ce que vous comprenez? Bon, Ticone, par exemple, dit non, il n'y a pas 70, il faut gagner plus de 100. Yo chaque gain on danse qui a là avec yo et puis nous chita dans un compas direct comme si c'est ça seulement que Haïti a produit. Ça qui vient de chanter musique folklorique yo, yo ramasse tout rythme ça yo et puis yo joue yon seul, c'est Rabodaï, et puis yo relé le racine. Yo relé le racine pour qui raison? Parce que Alex Haley t'es qu'on on livre les roots. Est-ce que vous comprenez? Gon ont tendance à imiter toute bagaille qui fait et à l'étranger et copier yo etc. Qu'on y a jeune haïtien qui fait jazz, c'est comme ça relé qui fait jazz, y a joué reggae, y a joué rap bagaille comme ça, mon pas tande en valou ou pas tande congo ou pas tande ibo. C'est comme si là nous gon mépris même pour ça qui pas nous. On pas dit ou pas jouer rap ni pas jouer reggae. Mais ça ne faut pas jouer pour là tout pour l'autre, yo prend le tout pour yo jouer. On prend, c'est exactement pour moi-même un grand recul qui fait dans culture haïtienne, dans la production culturelle. Est-ce que vous connaissez à partir du mode de travail ça au niveau de la diaspora, une façon qui une stratégie qui a établi pour balancer bayo? Bon, pas qu'on est, nous te font expérience déjà. Le nous t'es dehors enfant et que nous t'es gagné musique qui t'es parlé de toute bagaille. C'est pas qu'une question de femme à garçon ou un même mon que nous content vraiment ou pas un même que pas content. On prend et mettons en tête que 98% au moins de musique qui fait dans le monde c'est de ça seulement à parler. Je t'aime, tu parles, le ciel est bleu, le ciel est gris, on va comme ça, etc. Dream come true, on bande de phrases qui toujours retournent dans une bande de musique. Tandis que le nous-mêmes nous te ici, les Haïti culturel t'a fonctionné ici, t'es gain l'autre groupe tout. M'pas besoin de nommer, parce que m'pas qu'à nommer tout. Et mon te ouais, t'es gain diversité, non seulement dans le rythme, mais dans qui ça que n'a présenté mon yo. Nous pas de présenter une culture qui est en dehors de réalité, peuple haïtien. Mais ça qu'on y a pas existé en Haïti. Ou pas besoin de musique à caractère social. Et on ou pas joindre ça. Tout bagaille c'est petit coucou de chéri, petit doudou, bah comme ça ça seulement que cap dit. Moi-même moi pense personnellement que gon recul très sérieux qui fait au niveau de production culturelle en Haïti. Donc Mirland, sous cabane nous yon idée de l'autre artiste qui a pu performer nan 29 mai encore à 7h John Hancock et à partir de qui ça connait là, est-ce que considération Jean-Claude Martino a fait là, yo été joué un rôle dans le choix artiste qu'on gagne pour soirée ça sous cabane nous qui est capable d'année. Oui et non pour jouer rôle dans Saoudi parce que nous pendant que nous a pensé Haïti, nous a pensé aussi avec jeunes haïtiens qui a grandi dans contexte américain et qui presque qu'on pas capable vraiment dire que yo gagné yo a grandi dans même framework que nous t'es habitué que nous t'es grandi nous-mêmes en Haïti. Donc nous t'es pensé à un gens pour nous t'es encadrer deux trois dans jeunes ça yo avec donc c'est pour ça n'a gagné un groupe de jeunes Haitian American qui danser n'a gagné Boulo Valcourt qui c'est un haïtien qui très connu un artiste qui très connu dans le milieu haïtien troubadour que remé à fil que nous-mêmes nous capable parler de Boulo Valcourt et aussi n'a gagné Jean-Claude Martino et Mirland Rosard en tant que l'artiste pas la directrice de la éditrice fondation. Exactement. Donc des fois on est obligé de retirer un chapeau mettre en l'autre parce que pendant le nous t'a fait plein nous t'a organisé programme graine l'espoir
J'ai pensé avec toute artiste féminine qui des femmes sur Boston pour être capable de faire partie pour être capable de chanter pour nous. Et c'est très difficile pour être capable d'un artiste film. Dis mes amis, mon Dieu, ça c'est rigolo. Pour venir là, nous avons cherché tout partout des artistes qui pouvaient chanter. Je me dis finalement, bon, je vais le faire. Mais c'était un stretch quand même, parce que on peut organiser, créer aussi et chanter. Donc, pour moi-même, de bagarre. On l'espère. Donc, vous gagnez Boulevard-Court, Troubadour, Jean Dauphin, au signaler. C'est ça, Marcel Victor. Marcel Victor, Joël Théodat avec groupe Junior. Joël Théodat, oui. Joël Théodat, merci. Donc là, il y a une performance. Vous parlez tout, est-ce que Frédéric Surpris, il y a une brochure? Frédéric Surpris, il est nous de Canada, est très enthousiaste pour les vignes ici dans Boston. Je dis, mais c'est pas vrai, les voix, là, on va venir faire nous, mais combien de temps que on va faire? Bon, il dit qu'on va venir pour un petit moment. C'est juste une petite présentation que l'a fait. Mais c'est pas au centre de la programmation. La programmation. Et maintenant, donc, tout ça, c'est performance, musique, son. D'avoir retourné sur Jean-Claude Martino, causement histoire en Haïti. Histoire courte, il y a des gens qui désignent par compte. Moi-même, je vais parler de compte social à cause du Focus Li. Qui j'en ai bah, ça? C'est ça qu'on va le présenter le 29 mai, c'est ça? Oui, ça me va le présenter le 29 mai, c'est compte, réellement compte, c'est-à-dire compte cric-crac. Mais ce n'est pas compte que je cherche et c'est compte que je écrit. Pour qui ça que je tombe dans écrit compte? C'est parce que moi que sont un genre qui est très belle et que nous-mêmes nous vivons négliger. Une petite question. L'autre balle par contre là, est-ce que nous faisons une différence entre ça qu'on dans les deux avant, Fled disait trois pas et soit pas de la connaître qu'on va le présenter. Oui, les grandes différences de genre, Dani. Est-ce qu'on comprend? Différence les gains, hein, c'est que l'on parle de compte en Haïti. On va parler d'une histoire qui gagne et bête qui a parlé et bah, comme ça. On vrai conte, merveilleux. On vrai conte, c'est à faire Bouki, Malice, on prend et compé chat, compé cabrit, etc. Ok, et bien moi-même, c'est dans ce sens-là. Mais moi-même, qui ça me fait remarquer qu'en Haïti, dans le conte, nous avons dans le folklore, nous avons une bande de caractère. Mais qui n'a pas une histoire. Tant qu'ou Baka. Et ou, tout le monde. Non, ça, il y a même plein d'histoires. Il n'y a pas de caractère, mais il y a plein d'histoires. Le problème, c'est que lors du Baka, il y a un bon monde qui connaît qui sont Baka. Baka, c'est censé être une espèce de. Une créature, on prend qui tout coûte. Et puis qui a disparu, la lit de l'île, et qui a volé dans le marché. Merde. Après le volé dans le marché, comme ça, etc. On petit malfaiteur. Mais est-ce que mon histoire, yon baka, une histoire qui commençait, qui gagne nulli, qui finit, c'est ça me fait. Mais créer une histoire, elle est baka, et qui gon chanter là dans tout bagaille, qui racontait histoire, yon baka. Mais histoire que je voulais que qui est plus important pour moi, son histoire est Galipote. Galipote, comme un pile haïtien capable pas contre ça parce que n'y a pas contre folklore, Galipote là son diable lié mais son choual. Son diable qui déguisait l'en choual. Vous comprenez? Alors je vais raconter histoire yon ti nèg que Galipote prend le patavel. Et puis le ti nèg là retourné pour la dire qui ça Galipote là lié. Donc, c'est tout neuf dans le répertoire. Tout neuf dans le répertoire. Parce que ça, c'est vrai compte. Parce que longtemps, l'homme dit Fleur Diseur, dit son compte. Ce n'est pas un compte lié. Si c'est un bagage en français que Victor Hugo t'a écrit, il t'a pris un poème narratif. Vous comprenez? Mais comme c'est créole, c'est compte. Et il y a des gens qui même dit oh, Matino vient de faire une blague. Vous comprenez? On parle dans quel sens que nous capables de relayer ça en blague. En Haïti, qu'on y est, n'importe qui sort écrit ou tant de audio, oh, il a écrit un texte. On ne prend pas aucun genre qui délimite son texte. Est-ce qu'on prend? Bon, moi-même, oui, m'écris des textes, mais il y a gagné genre, yo, que ce soit un conte, que ce soit yon histoire courte, on prend un poème narratif. Et une fin finie en roman. C'est ça.
Mirlande, je vais tourner sur vous encore. En termes d'information sur soirée, à qui j'aime qu'à jouer l'information, qui j'aime qu'à contacter nous, acheter. Alors, pour les gens qui sont intéressés, je vais dire que tout le monde qui a suivi l'émission, qui est intéressé, pour participer à l'activité Graine d'espoir, nous avons Jean-Claude Martino, Coral, Infect, dit nous que le pote bagaille qui fait. Qui fait créer pour capable qui fait capable germer pour capoter pour activité ça alors nous capable généralement dans store haïtien yo presque pas qu'on store haïtien qui pas gain code généralement presque tout store yo gain code mais si que nous pas voulez passer par store yo nous capable aller directement dans office héritage c'est 508 620 1424 et nous capables ou bien charger les sous Visa ou Mastercard ou bien juste demander une réservation on a écrit nous yo sous carte là et puis n'importe là nous n'est capable payer et donc on nous rappelle encore à côté que la fête avec date là d'accord c'est samedi qui va venir hein? samedi 29 mai samedi prochain samedi 29 mai à 6h et c'est John Hancock Hall Dorothy Quincy Suite. Qui est dans Berkeley Street. Qui est dans Berkeley. Exactement dans le corner Berkeley, ensemble avec James Street. C'est ça. Et bien, sous notre sam, pas qu'on aime, mais encore une fois. Est-ce que je peux poser Milan en question avant? Allez, Jean-Claude. Bruno Valcourt toujours joué avec un tambourineur, il est Azor. Est-ce que là-bas? Pas capable de répondre à la question ça parce que pas connais. Bon c'est dommage parce que toujours joué ensemble et m'a dit un bagaille Azor Konya c'est Tiwo. C'est lui qui remplace Tiwo. C'est un tambourineur d'élite, un maître tambourineur. Oh alors m'espérer que quel que soit côté Azor hein, que la côté l'orange merveilleux de Jean-Claude Martino et peut-être que l'ICAB avec nous le 29 mai. Mais nous connaissons que Boulou Valcourt a venu avec style troubadour Total Capital, c'est-à-dire la guitare. Quoi, guitare la plan Meli, la guitare de elle. Nous ne connaissons pas si Azor l'a garanti, mais musique qui est plus fameuse, nous connaissons que la plus. Absolument. C'est un moment agréable. Est-ce qu'on connaît exactement ça, Jean Dauphin, Victor, qui s'est apporté pour vous exactement chose ça? Pour de vérité, Charlot, m'écoute musique Jean Dauphin, me dit ah non, il faut malgré les réviser. Me réviser musique pas mieux parce que c'est très 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 beau, très belle musique. Je pas connais qui ça Marcel Victor pote dans paquet li, mais je pense que bête soli que la baye un bagage qui fait très agréable à public noir. Et bien sous ça nous rappeler public là encore que samedi 29 mai à partir de 6h30 6h merci dans Dorothy Quincy Suite qui dans John Hancock dans zone Back Bay Heritage Foundation a présenté nous Seeds of Hope, Grain d'espoir, et n'a encouragé tout les téléspectateurs à l'égard des spectacles. C'est le genre de spectacle alternatif que nous avons présenté pour continuer avec une tradition culturelle haïtienne ici en diaspora. Je vous remercie de ce que nous avons là. Merci beaucoup. Merci, Charles. Jean-Claude, encore une fois, nous comptons pendant un an. Et nous dit tout le monde merci. Nous avons rendez-vous pour notre édition de Tête à Tête sur Télé-Créole. C'est avec Charles Lucien pour présentation. Merci.